second was quite dry, so it's no point running further because the feeling, you know, the rear guard. Et salut à tous, on se retrouve donc pour la manche 14 du championnat 1999 de Formule 1. On va lancer du coup les qualifications. Donc nous sommes partis. Niveau des réglages, on va laisser comme ça. De toute façon, pour le moment, je pense que ça peut être pas mal. Et nous allons découvrir ce Grand Prix du Nürburgring en version ancienne. Hein, c'est avec la chicane que vous voyez ici. Qui, ma foi, était assez intéressante. Enfin, je pense pas qu'il y ait vraiment de... Mais là, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Non, non, je pense pas qu'il y ait de bonnes ou mauvaises configurations au niveau de la chicane du Nürburgring. En revanche, parce que l'épingle offre une possibilité de dépassement qui est un petit peu plus grande quand même que l'enchaînement en chicane. Mais je trouve que la chicane, quand même, offrait quand même un bon défi technique. Dès le départ. Donc voilà, c'est un peu kiff-kiff. Il y en a qui préfèrent l'ancienne version, la nouvelle. Pour moi, c'est un peu pareil. Disons que la première partie était un petit peu ralentie à cause de l'épingle et les deux premiers virages qui suivent derrière dans la nouvelle version. Alors que là, là actuellement, c'est un peu plus rapide. On a passé la première chicane, attention de ne pas sortir de la piste. Et du coup, on va faire notre premier tour chronométré. Alors je vous ferai pas l'affront de vous raconter forcément entièrement le Grand Prix de Nürburgring 99, qui est un des Grands Prix les plus... des plus connus, parce qu'il s'est passé énormément de choses. Ma foi, on va quand même être obligé d'y revenir, sans aller forcément dans les détails, mais bon. C'est un Grand Prix du coup qui a vu... déjà qui s'est passé dérouler sur une piste à la fois sèche, à la fois mouillée, enfin le temps a beaucoup changé en fait durant la course. C'est justement ça qui a créé un classement assez fou. On avait même Frenzen hein, qui était en tête à un moment, qui était abandonné sur un point d'embrayage. Il y a eu pas mal d'accidents derrière, on a eu Fisiké là qui a commencé à se retrouver en tête sur la Bellator et finalement est sorti de la piste. On a Ralf Schumacher qui a récupéré le lead alors en tête et qui crève finalement du coup doit passer par les stands. Les McLaren et les Ferrari, enfin les Ferrari surtout qui font une mauvaise stratégie au niveau des arrêts au stand, pareil pour McLaren. Coulthard qui sort de la piste aussi. Enfin voilà, il s'est passé énormément de choses. Vraiment c'est un Grand Prix que je conseille, alors je crois qu'ils l'ont diffusé il n'y a pas longtemps sur la chaîne FIA. Et si vous l'avez pas vu, vraiment c'est un Grand Prix à pas rater. Je vais éviter de vous dire le résultat, même si certains le connaissent déjà, même beaucoup le connaissent déjà. Mais voilà, c'est vraiment un Grand Prix intéressant. C'est un Grand Prix, en tout cas moi qui m'a marqué quand j'étais gamin. Pour d'autres raisons d'ailleurs. Mais surtout lié au classement final. Alors je suis en avance, mais malheureusement devant moi là il m'a complètement bouchonné. Alors du coup niveau qualification c'est pas trop ça. Oh! J'ai essayé de me décaler au moment où je me suis décalé, il a ralenti. Bon, du coup, je pense que c'est fichu hein, pour la qualification. Hein. Enfin, en tout cas, au deuxième tour tentative, c'est mort. On va donc laisser comme ça. La chicane. Bon, assez vite, mais normalement, qui est quand même beaucoup plus lente à prendre dans la vraie vie. Bon. Mais c'est la fin 99, hein, je rappelle, c'est pas le meilleur jeu de la F1 du monde. Et voilà, donc c'est terminé pour ce tour de qualification, on n'a pas amélioré. Je sais même pas comment je vais partir sur la grille. Donc c'est parti, on va laisser le réglage comme ça.
Et on va lancer du coup la course. Et apparemment, on va partir bon dernier. Donc déjà, ça commence super bien. En pole position, David Coulthard. Près de lui se trouve Eddie Irvine. Et en troisième place, nous retrouvons Mika Häkkinen. En quatrième, Heinz Harald Frentzen. En cinquième place, Rubens Barrichello. En sixième place, Damon Hill. Septième place, Alessandro Zanardi. En huitième position, Ralf Schumacher. Neuvième place, Jean Alesi. Dixième place, Jacques Villeneuve. Onzième position, Pedro Diniz. Douzième place, Alexander Wurth. En treizième place, Johnny Herbert. Quatorzième position, Olivier Panis. Quinzième place, Jarno Trulli. Seizième place, Giancarlo Fisichella. 17e place, Mika Salo. En 18e place, Riccardo Zonta. 19e place, Tora Takagi. Sera 20e, Pedro de la Rosa. 21e position, Marc Genet. Il faut toujours un dernier. Aujourd'hui. Ah, mais en fait, je me rends compte que j'avais pas lancé les qualifications. J'avais lancé les essais libres du matin. Donc en gros, je pars dernier juste à cause de ça. Bon, écoutez, c'est pas grave, hein, tant pis. On va lancer du coup la course. Vous avez vu Salo qui part 17ème, vraiment vraiment super loin. Et c'est parti. Oh, un départ plutôt moyen cette fois-ci. Et du coup c'est plus une erreur de ma part que vraiment le temps que j'ai fait en vérification, puisqu'on le saura jamais finalement. Allez, premier virage. Oh, attention. Et j'ai oublié même de parler du départ en lui-même, puisqu'il y a l'accident, l'énorme accident de Pedro Diniz. Au premier virage dans la vraie course, évidemment. Allez, dans la vraie course, et qui aurait été assez impressionnant, parce que la voiture s'est retrouvée sur le toit. Et surtout, tellement écrasé qu'on voyait même plus où pouvait se retrouver le pilote. Donc c'était assez compliqué. Alors, on va essayer de dépasser la BAR sur le côté. Ouais, c'est un circuit qui va pas être facile, hein, parce que franchement pour dépasser là c'est bon, j'ai plus de la vitesse, attention à la rose devant. Il va falloir vite se défaire des voitures lentes parce que sinon on va perdre énormément de temps. Il a réussi, il est passé devant. Je suis passé devant mais je suis aussi tiré au droit. Et voilà, du coup c'est tout perdu, il faut recommencer. Regardez l'écart déjà, le gouffre qu'il y a. Alors je pense que la chicane je devrais peut-être être plus rapide qu'eux. Non, je pense que je suis plus rapide que, mais bon, il remonte rapidement derrière lui. Ah là là, à chaque fois que je touche. Il semble que ces voitures se sont légèrement. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a une voiture qui est en difficulté aussi. Il réduit l'écart qui les sépare. Ok, bon, on est super loin. Häkkinen, du coup, a pris la tête. Villeneuve est 8ème. Par contre, j'ai touché encore une fois, je suis incapable de savoir où je vais pouvoir dépasser, parce que là vraiment, il va falloir dépasser la robe, c'est passé à l'intérieur, oui c'est bon, on a forcé un peu le passage, mais on s'est pas touché. Allez, c'est parti, on va essayer de remonter. On voit le groupe de devant déjà, c'est pas mal. Ah, mais une voiture qui a du mal, ouais, c'est une Sauber, et je pense qu'elle va s'arrêter, elle va abandonner. On va essayer de passer ici, c'est bon. Ils ont eu un léger accident. Je crois que c'est Alesi. Ouais, Alesi qui abandonne. Ce qui est bien, c'est que ça a permis de ralentir le groupe devant et de passer au même niveau que. Enfin, de l'attraper un petit peu. Alors, j'ai pas l'impression d'avoir un setup forcément terrible, mais bon, on va faire avec. Par contre, j'ai une sortie de vitesse de virage qui est assez forte. Il vient de réaliser une incroyable manœuvre. Bon, il reste 10 tours. Je pense que si on est calme, on devrait pouvoir s'en sortir. Wow, le steward qui a fait vraiment le bon choix en me laissant passer sur l'extérieur. Allez, Anne, on va dépasser la Benetton. Par contre, j'ai l'impression de pas avoir une vitesse énorme. Hein. C'est dommage. Regardez, on a aussi, alors qu'on a roulé sur des débris, on a une Ferrari devant, on va se mettre salaud, hein, qui est déjà remonté 10ème. Ils ont été vaches quand même parce que Solo effectivement faisait des performances moyennes hein, en 99 avec la Ferrari sauf bon, un ou deux Grands Prix. Mais quand même la 17ème ils l'ont un petit peu sous-estimé. Ils sont côte à côte, je vois passer les deux. Ouais parfait, j'ai même pu prendre à fond. Alors si on regarde ma vitesse de pointe, j'ai l'impression quand même que la voiture est assez endommagée. Bon, déjà elle est endommagée au niveau de l'aileron, hein, on l'aurait compris.
Alors j'ai évidemment omis de parler de certains détails du Grand Prix 89 réel, c'est vraiment pour ceux qui voudraient le voir, pour éviter qu'ils aient quand même tout de gâché. En tout cas, on est remonté en 9ème position, on est au 4ème tour, donc ça devrait, on devrait pouvoir remonter, je pense, en espérant pas m'accrocher, surtout parce que là, le prochain accrochage, je pense que je perds l'aileron. Donc il va falloir vraiment y aller mollo, et en plus j'ai du mal à tourner. Un petit coup de vue embarqué. Ça va pas durer longtemps, parce que sincèrement c'est assez compliqué, en vue embarqué. Gaz serait très très propre, je pense qu'on aurait pu jouer du début jusqu'à la fin en vue embarquée. Mais comme c'est pas vraiment le cas... Ah, il me semble qu'il y a une moto qui ralentit. Ah oui, c'est une McLaren d'ailleurs. Ah, je pourrais pas passer. Je vais vraiment être calme, on va faire attention. Et une McLaren qui est abandonnée, c'est assez rare d'ailleurs hein, de voir des McLaren abandonnées dans ce jeu. Pff, voilà. Alors là j'ai tellement été déconcentré que... Pas déventé, mais déconcentré. Parti à la faute. Bon, je vais la rattraper à la chicane normalement. Ouais, moi je peux la prendre super vite. TV9 devant 7ème. Qui a plus à la lutte. Oh non, je pensais à l'extérieur. C'est parfois difficile, voire impossible d'échapper au bac à sable. Alors cette phrase n'a plus trop lieu d'être à l'heure actuelle, parce que des bacs à sable il n'y en a plus beaucoup. Bon, là par contre, alors on a rattrapé le dernier groupe, enfin il ne reste plus que ce dernier groupe à rattraper. Mais on est quand même assez loin encore, hein, donc il reste la moitié du Grand Prix pour remonter. Alors évidemment on va commencer à en parler pour le moment, mais bon il n'y a pas encore le choix à arrêter. Évidemment du prochain, la prochaine saison qu'on fera après fin 99. Alors j'ai pas encore décidé. Je vais juste peut-être vous donner les axes sur lesquels ça pourrait se produire. Ça sera peut-être en jeu de management. Ça sera peut-être du tourisme, ça sera peut-être un autre jeu de Formule 1, évidemment. Même un jeu de rallye, je n'ai pas encore choisi. Mais peut-être que le format, enfin le format ne changera pas vraiment dans l'idée, puisque ça, on évoluera sur un championnat. Mais le... Aucun problème. Ouais, aucun problème, ça c'est clair. Mais peut-être que le style de jeu pourrait changer, en tout cas pour cette pour la nouvelle série. Alors, je prends mon temps. Voilà. On va être calme vraiment, on est 5ème, ça c'est bien. Ça se bat, et à l'intérieur c'est bon. On a la Stewart qui est 2ème. Regardez le classement, alors une Ferrari qui est première. Irvine, Sarrazin, Barrichello quand même. Qui est 3ème. Voilà, je l'ai dépassé, mais... Ah du coup ça va être Irvine à dépasser, bon ça devrait pas trop poser problème je pense quand même. On est bien remonté. Moi évidemment de faire une bêtise. Voilà, Irvine, peut-être à l'extérieur, ça devrait passer. Ça va me laisser passer. Et nickel, ça passe. Attention. Ouh, il est resté collé derrière. Trulli abandonné aussi. Hakkinen, Coulthard, les deux McLaren ont abandonné. Il y aurait le Nürburgring 97. Sauf que dans la vérité, il n'y a qu'une McLaren surtout qui avait abandonné. 99. Ouais, du coup, on va pouvoir changer la vue un petit peu. Alors, ce qui est un petit peu dommage sur cette saison, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de pluie. C'est un peu dommage. C'était, je pense, intéressant, même si on a vu qu'il n'y avait pas trop d'impact. Il a été au top tout le week-end et a vraiment mis toutes les chances de son côté. Alors je sais pas pourquoi je tiens absolument à ce que V9 fasse des bons résultats sur ce jeu. Mais bon. Ah oui, parce qu'ils n'avaient pas marqué de points en 99. Du coup, c'est pour ça. Mais bon. C'est vrai que Minardi, là, sur ce championnat, on est quand même vraiment devant. Donc, le championnat. Par contre, au constructeur, ça va faire du bien, parce que du coup, McLaren ne marque pas de points. Bon, Ferrari a quand même marqué de gros points. Nous, on marque, si tout se passe bien, les 10 points de la victoire. Lilia n'est pas trop forte. Enfin si, je fais pas d'or sur un coup de théâtre.
Mais je pense que championnat, on va bien pouvoir monter. Alors championnat pilote, c'est bon, on est tranquille. Par contre, constructeur, on était quand même mis en bataille. Donc là, on va pouvoir protéger notre position. On va reprendre peut-être 10 points à McLaren, et ça, c'est un peu inespéré. Allez, je vais un petit peu lui embarquer quand même. Sur profiter. Avec ce petit sponsor Telefonica qui va devenir plus que gigantesque. Alors qu'il y a deux autres abandons encore. Plus que gigantesque en 2000, puisque la voiture sera littéralement couleur Telefonica. Si je préférais vraiment la version 99 quand même par rapport à la version 2000. Relancez la course. Il y a su beaucoup de voitures hein, en piste, mine de rien, regardez. 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Enfin, en tout cas, j'en compte 11 plus moi, ça fait 12. Je pense qu'il doit rester 14 à peu près, parce qu'il y en a des petits points qu'on voit pas. On va voir le classement final juste après. Alors les textures, vous avez vu, elles changent un petit peu, suivant qu'on en est loin ou pas. En tout cas, ça s'est vu que j'ai toujours beaucoup aimé le numbering, et je trouve ça un petit peu dommage qu'il ne soit plus. Alors ça, c'est pas le circuit où on peut le plus dépasser, hein, c'est un peu un hangar-o-ring, mais quand même, il y a quand même un peu plus d'opportunités. Par contre, c'est un circuit qui ne pardonne pas les erreurs, ça c'est sûr. On va avoir en vraie saison 2020 deux grands prix d'Autriche, ce que je trouve assez moyen. Bon après, il vaut mieux qu'il y ait des courses que pas du tout, hein, pas non plus à la fine bouche. Je trouve que deux fois le grand prix d'Autriche, c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y a plein d'autres circuits qui auraient pu être faits. Après, c'est vrai qu'il y a des circuits qui auraient pu, mais si l'État, les gouvernements du pays ne l'acceptent pas, bon ben. Ça restera bloqué. Alors, moi, j'ai vraiment coupé. C'est fait. D'ailleurs, je me tâte pour une prochaine saison de F1 si on n'activera pas les arrêts au stand. Parce que franchement, il doit y avoir un. Ça pourrait être sympa d'avoir un petit aspect stratégique avec ça. Et de devoir s'arrêter. Quitte à allonger les courses de 1 ou 2 tours. Parce que c'est vrai que pour le jeu 99, comme c'est pas un jeu forcément très excellent, ça va. Je voulais pas avoir des courses d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Alors que si le jeu est beaucoup plus intéressant, je pense qu'on pourrait justement profiter pour allonger la durée de course légèrement, hein, je ne veux pas avoir des courses d'une heure. Et mettre un peu de stratégie. Pourquoi pas. En tout cas, j'ai un peu plus, ça peut aller jusqu'à 15 tours, mais pas plus. On n'ira pas plus loin. Les championnats qui sont assez longs et je peux comprendre la lassitude au bout d'un moment. Surtout que là, l'enjeu il est pas très grand, hein, à part le championnat constructeur, le championnat pilote est quasiment fini. Même que je suis déjà champion d'ailleurs. 14 sur 17 courses, donc à voir. Et voilà, dernier tour, enfin dernier tour, fin du dernier tour. Et on devrait normalement remporter le Grand Prix du Nürburgring, Grand Prix d'Europe comme vous voulez. Et il franchit la ligne d'arrivée, c'est incroyable! Avec Bossini, PDP aussi. Ils ont gardé sponsor longtemps, hein, Minardi Bossini. Voilà, donc du coup, on a remporté la course. Donc, Irvine finit deuxième, Frenzen troisième. Et il n'y a plus Barrichello non plus. Donc, par contre, Salo est monté dans les points en partant 17ème. Alors, je suis un petit peu déçu sur le classement final parce que franchement, là, c'est plutôt classique. On va voir du coup le classement total de la course. Et surtout le nombre de voitures qui restaient à la fin parce qu'à mon avis, il n'avait pas resté beaucoup. Alors, je pense qu'il y a dû y avoir environ 6 Barrichello abandonnés. Ouais, il y a eu quand même plus que 13 voitures en piste. Hein. Je pense que Marc Genet n'a pas abandonné. Ouais, donc voilà. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 abandons. Alors, au niveau du classement pilote. Pour pilote, c'est fini. On est champion. Normalement, il y a 3 courses et 30 points à prendre. 30 points à prendre. Kylian peut aller jusqu'à 94. Donc, on est champion du monde 99. Ça, c'est déjà la première bonne nouvelle, j'ai envie de dire.
Par contre, au championnat constructeur, ça va être un peu plus compliqué, parce que si je calcule, ils ont 100 et quelques points. Voilà, 107 points. Et même Ferrari, hein, 102 points, nous on a 98. Par contre, ça va être chaud. Hein. Pour le classement constructeur, il va falloir vraiment qu'on soit performant. Parce que là, il y a encore, franchement, il y a encore un titre à aller jouer. J'espère que ça pourra se faire jusqu'à la dernière course, parce que ça va rendre un truc un peu plus intéressant. Allez, je vous dis donc à la prochaine. Pour la prochaine course qui aura lieu, ben normalement, je pense que ça va être le Japon. Il y a le Japon, la Malaisie, et je me demande si c'est pas tout. Donc, on va voir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde!